Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes sur le channel Informatique là pour une nouvelle vidéo. Nous continuons avec la deuxième partie flyer. Nous avons fait partie 1 déjà. Nous allons réaliser partie 2. Nous allons faire un deux flyer. Nous allons montrer comment on va réaliser un flyer pour Mondial 2022 qui est arrivé en novembre et décembre année. Ça. Nous allons réaliser un dedans. Comment on a fait ça? Nous allons réaliser et design avec tableau. Nous allons pas faire tout tableau. Nous allons faire un seul tableau et puis nous réaliser design et puis reste tableau. N'a pas capable réaliser nous-mêmes. Moi dis merci à tout le monde qui est abonné à la chaîne déjà. Si on veut faire ça, on capable juste cliquer sur le petit bouton rouge nous avec qui s'abonner ou bien subscribe là puis pas oublier activer petite cloche notification pour ça nous pas rater aucune vidéo. Nous te réaliser pour une partie là, la deuxième partie ça n'a fait quoi créer une nouvelle page. Pour nous créer une autre page, d'accord, on vient ici, on regarde en bas ici, là pour petit signe plus, là cliquer sur lui pour nous créer une autre page. Nous cliquer sur lui et puis nous gagner page 2. OK, nous gagne page 1 qui c'est pour partie et puis nous gagne page 2 qui c'est en dedans. Ni vide pour le moment, ça nous va le faire, nous va réaliser, nous va prendre un rectangle, cliquer qu'un B et puis nous prendre rectangle et puis nous venir tracer rectangle noir là, tracer rectangle noir là comme ça. OK, nous va le couleur. OK, nous va prendre couleur à son l'autre. Pour nous faire ça, n'a pas utiliser petit crayon là, n'a cliquer qu'un B et puis n'a prendre option color highlighter. Nous cliquer sur lui et puis nous venir ici nous copier couleur. Et puis nous pouvons peinture et puis nous cliquer exactement en deux formes là et puis nous baille couleur. Liguer un bordure noir fin, nous allons retirer bordure là, on a venir ici, on a fait clic droit sur quoi là. OK, nous retirer bordure là. Nous allons déformer forme là connia. Pour nous déformer lui, on a fait la frontière descendre là. OK, pour nous déformer lui, ça n'a fait faire clic droit sur lui. Pour ça on a fait pour nous déformer en forme, faut faire clic droit sur lui et puis faut prendre convert to curve, qui signifie convertir en courbe. Nous prenons ligne, après ça nous venons dans l'option, dans boîte d'outils là, nous venons ici, dans Shape Tool, et puis nous prenons Shape Tool. Et puis nous venons, nous cliquons sur en ligne, dans bordure là, il va dans un petit point noir, et puis nous venons en l'air, dans la propriété là, après Convert to Curve, ok, n'a pas icône ça, pour nous faire déformer. Là nous cliquons sur lui, il va nous deux petites flèches bleues, que nous sommes capables de manipuler, dans le sens que nous voulons pour nous déformer. Par exemple, il faut monter les flèches ça. Et puis l'autre là on prend une descente OK belle flèche la clique qui gambe et puis déformer forme moyen et puis une jeune ça m'a besoin et puis moi cliquer sur pick tool flèche ça là je dis que on fini avec la partie ça on fini à ça OK on déformer il y a ça me besoin faire moi on va prendre carré encore OK on prend premier carré comme ça OK peut-être pick tool après prendre ligne déplacer mettre exactement là. Je fais Color Hide Wrapper, je choisis la couleur que je veux et puis je clique ici. Pour retirer le bordure là, je fais clic droit sur quoi là, ok ici, je retire le bordure. Je vais dupliquer le lit, je vais faire copie de lui. J'aime quand je fais ça, je fais clic droit sur lui, cliquer qu'un B, clic droit et puis draguer, traîner, draguer veut dire traîner sur lui, ok, traîner vers la droite. Les mauvais là, je vais clic là. Et puis, on clique sur copy here. On va copier. On va le balancer l'autre couleur lui-même. On va le là comme ça. OK. Et puis, on va le balancer l'autre couleur. OK. On a une couleur là déjà. On fait color high dropper. Et puis, on prend la couleur là. OK. Et puis, on clique sur lui. On change la couleur. On va le prendre l'autre carré. Non, l'autre carré, ma prend. OK. On va prendre le même carré. Hein? Par exemple, on va copier ça. Copier n'importe là d'ailleurs, faire clic droit traîner sur IA et puis me faire copy here et puis me placer par exemple ici et puis me changer couleur pour me venir en l'autre couleur. OK, ça me fait me venir color high wrapper couleur ça me tout mettre là mon carré une couleur exact besoin me cacher chercher couleur là tout. OK, et puis me venir sélectionner couleur là et puis avec me cliquer là dedans et puis me venir aspect que moi besoin, ok, que nous capable qui plus ou moins semblé avec ça me fait déjà, ok, ok, ça n'a fait n'a groupé pour grouper, vas-y pour qu'à fonctionne, faut grouper, pour grouper, faut sélectionner, pour cliquer autour de eux, ok, ou un gros triangle, un gros carré, un pointillé, avec dit la guerre ou sélectionner tous les trois. On y a là, vous cliquez ici, la petite icône ça, ou vous faites CTRL G sur le clavier pour pouvoir grouper. Grouper, vous avez dit que vous faites seul.
ouais, on va déplacer, ouais. Je viens en seul. OK, nous grouper, on va faire un petit réduit là-dedans, faire plus petit. On capable dupliquer li. On fait clic droit, même j'ai encore, on traîne souris avec la droite. Pendant que clic droit, on pas la gueule. On traîne souris à bien en distance et me fait caper here. On capable changer virer le face, ca virer face, comme fait ça. Vini là dans miroir horizontal, je clique ici sur l'icône là, je vire face. Après ça, pour copier encore, je vais me copier encore. Vous voyez bien là, clic droit, traîner sur la grille, dans le menu contextuel là, copier here, et puis je suis capable de dégrouper pour que vous fassiez seul, puis je vais sélectionner un grain, je vais se réduire dans ça, ok, et puis. Une fois que j'ai fait, je fais un ballon effet, un ballon bel petit effet. Ok? Je suis capable de sélectionner tout ouais, autour de vous. Je sélectionne tout pour grouper, je fais au fond seul. Je suis capable de faire un petit réduit si vous voulez. Tout à réduit ensemble. Et puis, qu'on a réalisé. Et ça, moi, j'ai besoin de faire. Après ça, nous avons été pour nous. Qui ça nous était pour nous faire? Nous avons été pour nous faire tableau. Ok? Pour nous faire tableau, nous avons fait une seulement. Ok, et puis n'a pas pas faire ça. Venez ici dans la boîte d'outils là, la table tool. Ok, on clique sur lui et puis on trace table. On va le faire en zoom pour nous voir bien. C'est Z sur clavier, Z pour zoom et puis on clique une fois pour nous agrandir. Ok, là la 113%. Ok, c'est zoom pour nous voir bien. Et puis qu'on y a là, nous allons réaliser qui ça, nous allons réaliser ça, groupe A et avec tableau ça. Pour nous faire li, nous croyons que tableau ça, il gagne 5 colonnes, 1, 2, 3. Actuellement là, il y a 4 colonnes, faut qu'il gagne 5 colonnes, ok? Pour nous réaliser, pour nous faire notre colonne, là, pendant que nous sélectionnons tableau, nous allons cliquer encore sur le bouton, ok? Et puis nous allons venir ici, nous allons mettre sur là, il peut former flèche noire là qui met tête en bas. On clique pour capable sélectionner colonne ça. On va ajouter l'autre colonne. On fait clic droit. OK, pour ajouter l'autre colonne, on fait clic droit, on fait insert, on dit insérer. Insérer qui ça? Insérer en colonne. Qui quand on va insérer colonne, non, on va insérer la droite. On prend colonne right. On clique sur colonne right. Ça veut dire on vient insérer colonne moyen à droite. Ouais, mais il y a un autre colonne. Et comme ça, on va réduire taille, largeur colonne. Colonne tout là, trop large. Première colonne n'a pas tout petit, il n'y a pas large du tout. Ça m'a fait. Je clique sur table tout encore. Et puis, je vais ici, je mets un pion sur là. Sur ligne verticale, ça, il peut faire un croix qui est de pointe. Je vais cliquer avec un B. Et puis, je fais tout petit. Parce que là, c'est le numéro mature que je vais mettre. Ok. Après ça, nous venons nous prendre ça tout. Ok. Nous allons mettre le coup sur ça. Là, c'est date mature la mettre. La colonne ça. Là, il est mature. Après ça, la colonne ça, la pilage. Ok. La colonne ça, lui-même, c'est équipé avec des appareils. C'est mature. Nous allons mettre le comme ça. Et puis, nous avons deux colonnes. L'autre colonne c'est score mature. OK, donc on réduit colonne là comme ça. OK, nous gagnons colonne là Jean Mathieu besoin. Ouais. OK, faut avancer là avec flèche à droite, flèche de activité à gauche, on continue avancer. Et puis, maman combien les que il supposé 5 7 lignes 1 2 3 4 5 exactement 7 lignes. OK, mais première ligne là première ligne là, m'a fusionné première ligne là, ok? M'a fusionné première ligne là. Pour me faire ça, faut me sélectionner tableau d'abord, faut me venir ici, me cliquer sur table tool, mettre le curseur dans l'album pour me flèche là, me sélectionner première colonne là. Après, colonne qui sélectionne là, le voilà, il est assuré. Et puis me faire clic droit, m'a fusionné, m'a fait au fond seul, m'a fusionné ligne ça. Pour me faire ça. Je fais clic droit, je fais merge cells, ce qui signifie fusionner les cellules. Je clique sur lui, et puis je clique dehors, après que moi, ok, je fusionne en l'air. Je vais écrire match là, ok, match qui est pour jouer là. Ok, je prends un petit texte là, A, je clique sur lui,
mettez curseur là pour forme à me cliquer. Mettez taille texte moi à 11. OK. M'bali, m'bali un autre type de caractère qui c'est Arial là haut. OK. Et puis m'écrit match. OK, m'écrit match. Après ça, mettez date. OK. Mettez un petit espace. OK. On fait avancer. Fait mettez date. Et puis on fait avancer encore, mettez heure. Heure match. OK. On fait arranger ici comme ça. OK. Là on gagne. Là on gagne. Là mettez. OK. OK, on fait comme ça. On gagne match date heure. OK. On va mettre premier match là. Match 01 va dire premier match. Vous cliquez ici. Mettez taille texte moyen à 11. Type de caractère Arial Nara et puis tapez 01 qui c'est match 1. OK. Tout. On range li, on y est premier match. Et puis on va mettre date. Date match là avec le A. OK, on va copier ça, on va cliquer droit. Drainer souris à madame qui me clique droit, fait copier hier, puis il fait double clic et puis m'écrit date match là, premier match c'est 21, ok, tiré 11e mois 2022, ok, pas bien 2022, c'est année ça, mettez comme ça, puis après ça, on fait un petit espace et puis mettez le match là, par exemple, mettez 5h, ça c'est à 5h du matin, ok. Okay, on clique sur pick tool ici et avec flèche on capable avancer. OK, là bien là avec ça avancer ça en l'air tout. OK. Je moins. Ouais. Parce que je me toujours on capable. Hein? OK, il y a match d'ailleurs. Match là c'est pour un match, il y a l'heure, on va mettre équipe. On va mettre équipe. À copier ça, clic droit, Québec, clic là, tenez souris vers la droite, copier hier, double clic pour capable sélectionner tout, fait triple clic, ok, et puis m'écrit équipe, ça c'est non équipe là qui va là, non équipe qui va le là, ok, me place là avec flèche de directivité à droite, après ça m'écrit score, copier ça là, copier hier, expliquer comment. Fait double clic et je fais score. OK. Gagne score. Là c'est là. Équipe, OK, score. Faut ça réduit, ça trop beau. OK. Alors, on va réduire partie ça, colonne ça, toi là, de dernière colonne là. On sélectionne tableau, on vient noter pour tout et puis utiliser cette flèche là comme ça, la flèche là en forme croix, ok, mettez il là comme ça, on va joindre, et ma flèche ça comme ça, on va joindre ça à moins besoin. Après ça, ça me fait en l'air là, je suppose écrit groupe A, ok, là, on mettez la 12, ok, écrit groupe A, ok, après ça, premier lien l'air, il va couleur. Ma belle texture, ma belle en couleur, ma section est tableau, ma vignette est bouton, ok, mais là pour faire un peu, je me sélectionner et puis on va changer couleur. Ok, pour changer couleur, on va le prendre couleur là, quelque part, on va le prendre là, on va faire color highlighter, on va prendre couleur, on va cliquer ici, et puis on va venir quelque part là, on va cliquer, puis. Je changer couleur. Ouais, me changer couleur. Ma belle texte couleur blanc, vous capable plus bien. OK. Je sélectionne texte là et puis une couleur blanc ici. Belle couleur blanc. Je fais même bail la pour équipe, fait double clic sur les une couleur blanc. Comme bail blanc, je fais même bail la pour score là. OK. Et puis une belle couleur blanc. Fait pick tool, clique sur flèche là. OK, et puis quand tu avances, bien centre tout faire. Après ça, on était seulement pour mettre
pour mettre nos équipes avec des appuis. Le premier match c'est Sénégal Pays-Bas qui a joué à 5h du matin. Ok, on va copier ça. Ok, par exemple, on copie ça là. On va faire copier ici. On va juste appeler tout. On va faire deux clics. Et puis, nos équipes qui a joué à Sénégal. Le premier match c'est Sénégal. Et puis, on va mettre drapeau Sénégal là. Ok, on va prendre drapeau Sénégal là. Pour me faire un peu faire côté de ce machine, on fait import, file import pour aller en image. Ok, on fait file et puis import. Et puis, je sur ordinateur de côté de mon image là. On va chercher. Ok, nous on localiser le côté de ce machine. Non? Ok, on localiser le côté de l'IA. On va chercher. Ok, qu'est-ce que vous avez pour Sénégal là? Ok, on fait import. Ok, et puis, moi prends la voix. Ok, moi c'est juste pour moi un petit grosseur. Ok, on va d'abord juste placer ici. On va d'abord Sénégal là. Ok, on prend un texte, on va tirer là. Cliquez, mettez là à 11 et puis mettez tirer. Et puis moi c'est pour mettre l'autre pays là. Point d'appel c'est Pays-Bas. On fait contrôle I, on va importer. On choisit Pays-Bas. Ok. On choisit Pays-Bas. On va même grosseur avec drapeau ça, mais pas plus grand que l'autre. Là, on garde la mapo c'est 0.57 de largeur et 0.57 de hauteur que il aime. Même sélectionner d'abord, m'a fait ça même là j'ai à tout. Ok, c'est 0.57. Cliquez sur lui et puis tapez là 0.57 de largeur, 0.147. Ok, hauteur, vous avez là. Placez ici et puis moi j'ai lui. Puis, ok, mettez, copiez ça là, copiez. Clic droit, et puis clic là, tenez souris et puis copier. Ok, là, mettez Pays-Bas. Ok, après ça, mettez pour moi. Qu'est-ce que ça me peut faire? Pas grand bagaille. Ok, m'a copié ça pour qu'on gagne le avant en bas. Ok, on va bien changer le là. Ça c'est comme exemple. Ouais, copier. Clic droit, Québec clic là. On va traîner souris après ça, cliquer sur copier. On fait le même genre pour l'autre là. Clic droit, copier. Le ça va être tout le bas même, mais juste pour exemple, on va pouvoir montrer. Ok, après ça, là c'est le c'est qui marche bien un joueur. Qui numéro match là, ça est match 1. Après ça, vous capable de match là, c'est match 33 par exemple. Match 33. Ok. Et bien, ça qui est important, c'est 10 ans là qui est important, c'est juste pour capable de monter, non? Ok. Il y a deux clics. Ok. Ça est numéro match. Ok. Copier le même genre encore. Sélectionner, clic droit, traîner sur IA. Puis, copier IA. Faites deux clics et puis vous sélectionnez et puis vous mettez un numéro A. Ok. Faites une bagarre encore. Copier IA. Ok. Puis, copier ça juste pour me capable remplir. Ok, même là c'est pas ta information exacte là, c'est juste pour exemple là. Ok, on range ça là et puis nous était pour entrer l'autre. Nous était pour entrer notre équipe qui veut jouer dans foule là. Donc pays bas Qatar. Ok, comme on est pays bas et puis là déjà. Vous cliquez move là ici, vous copiez. Placer ici. Vous avez d'abord déjà fait clic droit, traîner souris. Ok, papa, je vais cliquer là.
copie here et puis avancer ici. OK. Puis pour qu'à aligner. On va avancer ça là. OK, ma faute avancer. D'accord. Ça ici. Parce qu'il faut que vous alignez. Pour qu'il y ait un alignement, bien, vous utilisez ligne de guide. Par exemple, vous venez là au point. Vous n'avez pas là au point ligne là. Vous cliquez qu'un peu et puis vous placez ligne là, par exemple. Et puis vous rangez devant drapeau, devant ligne exacte. Vous êtes capable d'aligner. Après ça, vous prenez ligne de guide encore. Vous mettez comme ça. Vous prenez l'autre ligne de guide encore. Vous cliquez qu'un peu. Vous mettez ça là comme ça. OK, donc c'est Pays-Bas Qatar et puis nous allons chercher Qatar. OK, nous allons aller Qatar là. Clic droit, copier texte ça. OK, après ça m'efface lui. Fait deux clics sur lui pour changer lui, mais pour Qatar. Et puis moi mettre drapeau Qatar là. Pour insérer une image, je prends le son déjà, c'est contrôle I bien file import, on fait contrôle I. C'est même bien là, on va prendre la Procata, puis on va importer 0.147 pour même largeur, ok, 0.147, on va ok, et puis ma rangel, côté besoin exactement, ok, plus qu'à aligner, ok. Ainsi de suite, là c'est pour mettre score match. OK, ma fonte zoom. On va aller. OK, c'est comme ça que on a fait toute l'autre groupe. On a fait toute l'autre groupe, on a baissé sa couleur. Avec sa couleur. On va venir ici là, nous balle couleur qui plus ou moins approprié. OK, pour bailler pour faire venir notre couleur, la palette de couleurs, on fait clic, cliquer pour qu'un petit clic là un moment et puis la prouver. Reste couleur, couleur qui gagne rapport avec même couleur, à dire, vous avez une nuance de couleur pour vous et vous choisissez couleur, à dire, vous choisissez couleur pour vous. Ok, c'est comme ça on fait ça. Et puis, nous gagnons les tableaux, nous allons réaliser reste tableau. Ok, même gens, nous allons paraît ici à là, on va faire même bagarre là pour nous capables de réaliser, calendrier. Donc, on a mis encore un appareil avec un petit background rose et puis la blanc, en bas blanc. Et fait ça, nous faisons déjà dans la partie de Fel. Ça, on a fait pour nous faire. Chiffre F4, on va mettre tout écran net. On va mettre toute page là dans un rectangle. Ça me fait deux clics sur le rectangle. On va entourer. Ok, page là entourée avec un rectangle. Et puis, on va mettre la couleur rose. Nous cliquons sur rose, nous allons rose net, mais c'est pas couleur rose ça, ou elle est vraiment laid, il pas esthétique du tout. Ça me fait. Donc ici, cliquez qu'un bébé nous prend un petit que les transparency. Cliquez sur lui. Et puis, vous cliquez quelque part en l'air, une drague descend, il va une flèche. Et puis, l'aime la gueule, on voit que il y a deux couleurs. Ok? Une petite couleur rose en l'air. Ok? Et puis anti couleur pâle en bas. OK, c'est comme ça on fait faire. Nous gagne couleur là qui est qui rose tout qui ne fait que et pas trop belle. Ça n'a fait, on a choisi on l'autre rose. OK, contrôle Z. Fait back on vient ici. On choisit l'autre rose, l'autre nuance, vous cliquez ici. OK. On va prendre l'outil transparency. OK. Je vais juste cliquer qu'un B, je vais descendre. OK. Et puis, je vais partir qui est côté point de flèche à blanc. Et puis, partir en l'air plus ou moins clair. Simplement en l'air plus clair, je vais mettre une manette. Petit bar, ça, blanc qui est en mi-temps, je vais monter. Je suis capable de faire plus de transparence. OK. Et puis, je vais faire pick tool pour finir. Et puis, si me fait un full screen ou après que mais comment design et puis nous là nous même nous on comment pour nous mettre reste tableau sans problème. C'est tout ça me devoir pour nous aujourd'hui à l'informatique. Pas oublier abonnez à la chaîne là pour nous
pas rater pièce vidéo mieux. Ciao ciao, à la prochaine.